Ces parents qui ont compris en écoutant tes œuvres, tes commandements, pour avoir la grâce. Ils sont venus devant toi pour présenter le fruit de leur amour et de respect de tes commandements. Père, je suis indigne. Rends-moi humble comme ce petit enfant, afin que toi-même tu puisses bénir cet enfant selon ta sainte volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute, Kimangiste. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: prenez garde de ne mépriser aucun des petits enfants, car les anges au ciel regardent en tout temps la face de mon Père. C'est pourquoi notre Père qui est aux cieux ne veut qu'aucun de ses petits enfants et ses pères. Et celui qui accueillera l'un de ses petits enfants le reçoit. On lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa la main et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il leur imposa les mains. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier cet enfant au Seigneur, afin qu'il les bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour lui. Élevez-les dans la pratique des commandements du Seigneur. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de le conduire à Dieu notre Seigneur, afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-le dans l'harmonie, en étant pour lui des exemples par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de l'élever ainsi? Par la puissance du Dieu, le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer afin qu'il grandisse dans la voie du Seigneur notre Jésus-Christ.
et Papa Eduardo dos Santos Henrique Preston. Je te reçois dans l'Église de Jésus-Christ, le Sauveur, le bon berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel lui fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, éternel Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce pour ces dons bénis et sacrés que tu as accordés à ses parents. Aide-les afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale, afin que le petit enfant grandisse dans ta connaissance et qu'il soit pour toujours l'imitateur et le disciple du Christ. Protège-le de tout mal, garde-le dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-le à Christ, ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour lui. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soit avec nous au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.